Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode des Dégustesteurs. On se retrouve aujourd'hui avec Ludo, et puis bah moi c'est Léa, je suis de retour. Donc bien sûr, Léa est aujourd'hui présente parce que j'avais besoin de renfort. Ouais. Pas facile tous les jours les amis. On a la maison Cidricole, qui est une association de producteurs de cidre et de jus de pomme normand, qui nous a contactés et qui nous a envoyé un énorme colis. Oh putain. On me voit ? On me voit plus. On me voit plus. Voilà. On me voit plus, on me voit. Donc, Léa ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je le sais, puisque bien sûr, comme ils m'ont contacté, ils m'ont dit un petit peu ce qu'ils m'envoyaient. Ce sont des boissons que j'adore. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis assez contente parce que moi, le cidre, j'en bois pas beaucoup, à part du cidre rosé et le cidre que le papy de mon mari fait. J'ai jamais goûté autre chose, donc je suis assez curieuse de le découvrir. Ils nous ont contacté puisqu'ils ont lancé une campagne de promotion afin de promouvoir justement toutes les boissons normandes, donc cidre, poiré et jus de pomme. Et elle invite bien sûr toutes les personnes qui sont friandes, amatrices de ces boissons, à devenir ce qu'ils appellent cidrivores. Donc bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pandémie mondiale qui a eu lieu. Et du coup, ils ont décidé de faire cette campagne promotionnelle pour les aider, parce que c'est une filière qui a été très impactée. C'est vraiment une filière qui est très importante pour notre région. Donc cette association Maison Cidricole existe depuis 2011. Je vous mets en description leur Instagram, le site internet et leur Facebook. Comme ça, vous pouvez aller voir un petit peu le pourquoi du comment cette association a été créée, pourquoi ils œuvrent. Et puis surtout cette campagne promotionnelle qui va vous permettre de devenir vous aussi cidrivore. Donc la maison Cidricole a pour slogan cidrivore, nos boissons normandes, on les adore. Et t'as vu en plus chez le... Eh, tu pourrais jouer dans une pub. Tu n'oublies pas comme d'habitude, si tu kiffes la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais un petit pouce, tu partages, tu mets un commentaire si t'aimes. Et tu t'abonnes ou pas? Et tu t'abonnes. Bah bien sûr. Ça, c'est la base. Avec la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, parce qu'on n'oublie pas. Et si on passe à la dégustation? Je te tiens. Tu me tiens? Par la barbichette. Ouverture de la botte. Oh putain, ça j'en ai déjà eu la dernière fois. On les met où? Là. C'est un truc, mais c'est the truc. J'ai le colis. T'as le bébé, c'est bon. Nous avons déballé la bête. C'est joli, c'est kiki, comme on dit chez nous. C'est super mignon. Ouais, ça pèse une vache, par contre. Donc un panier, mais vachement, vachement joli. Alors c'est marqué la meublerie. Panier tout en bois. Je pense que c'est quelque chose à planter. Oh. Et pas bête la guêpe. La hein. Classe. C'est gris. C'est une abeille. Quand vous allez aller chez les producteurs chez qui on va vous présenter les bouteilles, ils auront donc bien sûr ces petites cartes que vous pourrez avoir et faire germer. Ça fait pousser des petites fleurs. Cher Ludo, voici ton panier cidrivore. Bonne dégustation à toi, la maison cidricole de Normandie. Merci beaucoup à la maison cidricole de m'avoir fait confiance. Et on plantera et on suivra comme ça de très près. Sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Hein. D'ailleurs, vous la connaissez maintenant, la petite dame. Je vous le mets en description également. Mais je n'ai plus de secret pour personne. Alors vas-y, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça me plaît, ça. On n'a pas l'habitude, quand on vous parle de cidre, généralement, on pense à la boisson. Et en fait, ça, c'est une petite alliance des mets et boissons, tous les aliments que vous pouvez associer à tel ou tel cidre. Plus de 250 producteurs proposent leur cidre et poiré partout en Normandie. Et donc, on voit les différentes régions de Normandie. On a, nous, en tant que Normands, des producteurs de cidre, de poiré, de jus de pomme, etc., qui sont médaillés. Mais nous, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est qu'ils nous ont fait tellement confiance qu'on a pas une, pas deux, pas trois, mais quatre bouteilles. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Il n'y en a pas une cachée. Ils n'en ont pas cachée. Tu veux commencer par la première? La première, celle que j'ai sous la main, bulle de pomme. Je la présente de près. Donc ça doit être du jus de pomme pétillant. Jus de pomme fermier pétillant. Guédon, père et fils, producteur récoltant à Saint-Cyr du Bayeul. Domaine de la cave normande, élaboré à partir des variétés locales de nos vergers, ce jus de pomme frais et fruité est fabriqué sur l'exploitation familiale, sans conservateur et sans alcool. T'as déjà goûté du jus de pomme pétillant? Pas du tout. Si t'aimes bien le jus de pomme et le cidre, en fait, c'est une excellente alternative. La couleur est belle. Hein. Bouteille est belle. À la rigueur, ça a la couleur d'un jus de pomme, mais et tu vois pas les bulles. Oh. Attention, vite! Putain,
Putain, je m'en doutais. Je vais me faire déchirer par la rachou. La rachou, c'est pas moi. Ah là, tu vois les petites bulles. Donc ça, tu peux y aller, tu peux le boire, 0% d'alcool. C'est pas obligé de crier. Hein. Je sais pas pourquoi je crie. Sans moi, sans le moi. Ça sent trop le jus de pomme, c'est trop bon. Tu peux en boire 3 litres, juste aller aux toilettes après derrière. J'allais bien, tu vas en moyenne 47 fois. Allez. Allez. Ce petit goût de pomme. À déguster à tout moment de la journée pour le bonheur des petits et des grands. Tu peux le boire à l'apéro, tu peux le boire en repas. Peut-être pas au petit-déj, mais... Bah franchement, si. En brunch, easy. Avec un petit bout de clacos, papa. Putain, j'aimerais pas être tes collègues. Hein. Il est super bon, franchement. C'est vrai que tu sens vraiment le goût de la pomme. Moi qui ai un fils de 3 ans, amateur de jus de pomme. Bonjour Hugo. Coucou bébé. Plutôt que de lui donner un truc qui pique, qui coûte... Tu peux, hein, personne Coca, ne te voit. Coca, Pepsi, Orangina, on dit 3, on sait jamais. Ah bah déjà, c'est meilleur pour la santé. Et au moins, c'est quelque chose qui... C'est sain, c'est meilleur et ça hydrate. Mmh. Celui-ci, donc, c'est du poiré. Donc le poiré fermier, domaine de la cave normande, encore le même producteur que tout à l'heure, à Saint-Cyr du Bailleul, Guédon père et fils, on est bien d'accord, c'est le même. Judicieux assemblage de 2 à 3 variétés sélectionnées dans nos vergers, ce pétillant à la robe jaune dorée, à l'effervescence fine et légère, vous offrira selon les millésimes, rondeur et fruité. Donc t'en as jamais goûté ça du coup? J'ai dû en goûter, mais quand j'étais pas majeure. En même temps, un Normand, je pense qu'il boit du cidre ou du dans poiré. Ouais, tout petit. Pour information, 4,5 degrés d'alcool. Et donc ça, c'est une des boissons qui est encore méconnue. À la rigueur, en boisson alcoolisée, on va avoir le cidre. Et derrière, on va avoir le calva. On a le pomo qui est une des boissons qui n'est pas la plus connue de Normandie. Et on a le poiré. Tu aimes la poire? Et bah goûte, parce que je pense que tu peux avoir une très très bonne découverte. On va essayer de pas en mettre partout cette fois-ci. Oh la vache, je suis dans ma buée là en plus, je vois plus rien. Non, ça va. Ça va. Et imperfect. La maîtrise. Ça, c'est plus fort. Et au niveau couleur, on est sur une couleur beaucoup plus claire. Il est super léger. Le goût, tu l'as vraiment une à fois. La fin. Hey. Hey, on est synchro. Tu as un goût fort au départ qui s'estompe très rapidement et tu as le goût de poire en arrière. Je sais pas comment on appelle. Je suis bidon. Au niveau palais. De la goulotte. Au niveau de la goulotte là. C'est vraiment agréable aussi à boire. Pour en avoir bu des plus forts, des carrément plus forts, je trouve que celui-là est carrément. Il est agréable. Agréable à boire. Moi j'en ai bu avec un goût de poire qui était plus présent. Donc celui-ci aussi est médaillé d'or dans un ton jaune pâle. Qui flatte l'œil. Le nez est intense sur des notes de pomme. Hein? Je suis bonne comédienne. Hein. T'as un truc comme ça que tu voulais faire? J'ai vu ta tête. Il y a du coup sûrement un mélange, parce que pour moi, du poiré, c'est forcément du jus de poire. Enfin, fait à base de fermentation de jus de poire. Oui. S'il parle de pomme, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est plus atténué au niveau du goût de la poire. Un poiré se savoure à l'apéro ou à 4 heures quand il fait 35. Ouais, franchement, je pense que c'est comme le cidre. Moi, je bois vraiment un peu n'importe quand. Comme du petit lait. Merci en tout cas aux producteurs et à Maison Cidricole du coup de nous faire découvrir ça parce que. Merci. Bah tu vois, on pourrait se dire, tu es normand, tu connais forcément tes boissons, non. Et même selon les régions, ça se trouve qu'il y a peut-être des variantes. Ouais. Donc vraiment très sympa à découvrir. Donc ça, c'est celle que tu connais, ça. La Galotière, Pays d'Auge. Ouais. Vous avez d'ailleurs la route du cidre à faire si jamais vous venez en visite. C'est un trajet que tu peux faire dans le Pays d'Auge, où il va t'emmener voir des producteurs donc de calva, des producteurs de cidre, des producteurs de jus de pomme. Tu voyages, tu visites. Tu découvres le Pays d'Auge, une partie de la Normandie qui est très fleurie avec beaucoup de vergers, et tu découvres également la gastronomie de notre région. De notre région, qui est quand même une des meilleures régions de France. Fermier demi-sec, pomme douce, amère et acidulée, couleur jaune-orangé. Et ça... les petites maisons du Pays d'Auge. Quand vous allez vous balader dans le Pays d'Auge, vous avez plein de maisons comme ça. Regardez-moi ça. Moi, en bonne Normande que je suis, je ne sais absolument pas ouvrir les bouteilles.
tiens. Ouh. Ça, j'aurais pas pu ça. La puissance du port du Havre, là. Là, déjà, j'ai senti qu'il y avait... De l'air. Il y avait de l'air. De l'air. De l'air. C'est juste une question de survie. Ça, vous allez pouvoir apprécier la robe. C'est une odeur de cidre. Là, tu... Par contre, tu sens que c'est du artisanal. Là où c'est impressionnant, je ne sais pas si on va beaucoup le voir, mais il y a énormément de bulles. Elles sont fines, mais il y en a énormément. Chef, un petit verre, on a ça. Ah ben, il est pas fort en goût. Oh non. Et ça picote pas des masses, en fait. Ça picote un petit peu, mais ça reste raisonnable. Je le trouve. Mais il est très super bon. Il est très très bon. Ah ouais. La galotière, médaille d'or. Franchement, ça les vaut. Les fines bulles qui la soulignent porte jusqu'au nez des senteurs de pommes cuites et une jolie fraîcheur beurrée. On n'a pas décelé le beurre, mais par contre on avait décelé que c'était des fines bulles. S'accorde parfaitement avec une viande blanche à la crème ou à l'aigre douce. Bon, à la crème, escalope, champignons, crème, là, l'escalope normande par excellence beaucoup avec de crème. Beaucoup de crème, ouais, j'avoue. D'accord. En fait c'est de la crème à l'escalope. Franchement, une bouteille de cidre comme ça, à deux, on se la fait. Ouais. Petite précision pour vos cidres, il est conseillé de les déguster idéalement entre 7 degrés et 10 degrés. C'est rafraîchissant, ouais. Et ça fait ressortir la saveur. Il conseille même d'en faire aussi en cocktail. Tu veux, t'as le fameux kir qui est à base de champagne logiquement, et t'as le kir normand qui est à base de cidre. Tu mets un petit sirop de cassis ou de framboise. Tu te rajoutes du cidre dedans, t'as ton kir normand. Moi je le préfère justement, mais après j'adore le cidre donc c'est aussi ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Et on a une chose qui n'est pas originaire de Normandie à l'origine. Je le sais puisqu'on a fait une dégustation à l'époque où il y avait encore Adrien. Et Marina sort sa caméra. Un petit coucou à elle si elle nous regarde. On lui avait fait découvrir, et nous par la même occasion, puisque on ne l'avait jamais fait de notre côté, du cidre de glace. Et là, ils m'ont mis bien. C'est exactement comme du cidre. En revanche, c'est la méthode d'extraction du jus de pomme. Elle varie parce que ils vont extraire à des températures apparemment, de ce que j'ai entendu, négatives. Et c'est originaire du Canada. Et là, c'est la propriété, donc la ferme de Noé, qui est à Saint-Aubin-sur-Gaillon, mon département d'origine, à côté d'Évreux, et ça a 10 degrés d'alcool. Regardez-moi cette bouteille. Elle est trop belle. Elle est classe, hein. On sent bien que c'est un truc qui est pas... C'est pas normal, commun. C'est pas commun. Ouais. Est-ce que c'est aussi fort que le Calva? Non. Beaucoup moins fort, beaucoup moins fort. Au niveau saveur et au niveau puissance que t'as dans la bouche, ouais. Et bah, pour moi, ça se place entre le cidre et le pommeau. À la couleur naturellement ambrée. Bah là, je pense que la couleur parle d'elle-même. C'est aussi pour ça que je disais que c'était peut-être fort. Destiné à être accompagné de foie gras, fromage bleu ou dessert sucré. Au nez, ça sent le cidre. Au nez, tu sens le cidre? Ouais, ça se boit genre en liqueur. Voilà, on avait un petit fond. Tu sens, tu trouves que ça sent plus que du cidre? Ah oui. Ah. Non. C'est bizarre. C'est notre saveur, hein. Ça te tapisse en fait la gorge. Ouais, ça s'incruste vraiment. Un peu comme un sirop. Ouais. Mais par contre, c'est pas comme un calva où tu vas le boire, tu bois un petit peu de calva, ça te brûle la gorge, tu vois. Ça t'anesthésie le palais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le calva, quand on a mal aux dents ou des caries, tu prends un petit calva, un petit canard. Un petit calva avec un sucre. Un petit canard. Ça serait pas quelque chose que je préfère. Après, je suis une fille de bon, voilà. Ouais. Mais plus fruité, plus doux ou plus fort, mais pétillant. Oui, parce que là, ça n'a rien de pétillant par contre. Hein. Ça s'appelle cidre de glace. Celui qui achète ça en se disant c'est cidre de glace, je vais ressentir du cidre. C'est pas ça. Pour moi, la saveur, c'est un peu comme la pomme caramélisée. En termes de découverte, je trouve que c'est très impressionnant de se dire qu'avec un seul fruit, tu arrives à avoir autant de variantes. C'est dingue ça. On est connecté. C'est symbiose. T'as l'occasion de faire découvrir ça. Et je peux te dire que même en Normandie, pour en avoir parlé avec des connaisseurs de boissons en tout genre, même en Normandie, c'est pas une boisson qui est hyper connue. On est cidrivore, ah bah on aime les boissons normandes. Oui. Moi, je remercie, mais je pense que tu te joins à moi,
la maison Cidricole ouais. pour cet envoi de colis. Merci à vous en tout cas de nous faire découvrir d'aussi belles et bonnes choses. Encore une fois, on adore faire ça tous les deux. Ouais, c'est kiffant. Puis vous avez vu, c'est rigolo en plus. On découvre, on s'amuse ouais. et puis on est gourmand donc et ça fait plaisir. Et surtout, on vous fait partager. Merci Léa encore d'être venue. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Prépare-toi. Pour ma part, on se retrouve encore une fois mardi à 18h pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.